Alors c'est le truc où je jette des cailloux maintenant. Ah, je peux me protéger derrière ça. Bon, à savoir. Ok, si je suis protégé derrière ça, il ne me touche pas. Ah, il faut peut-être que j'avance. Est-ce que je peux sauvegarder? Ah, ça aurait été trop facile, hein. À mon avis, il faut que j'avance vers lui d'une certaine façon en me cachant. Faudrait un abri. Le problème, c'est que là, il y a une tentacule, donc je peux pas passer, sinon la tentacule me tape. Pas où je vais là, je fais n'importe quoi. What is that encore? Non, c'est pas fini à mon avis. C'est trop facile, c'est pas fini. On a réussi. Si? Combat intéressant, pas vrai, sorceleur? Tout va bien? Eh ben, oh mon dieu, ils ont tué le Kéran, espèce d'enfoiré. C'était pas facile du tout. La bête m'a touché à plusieurs reprises. J'ai entendu dire que vous avez connu pire situation. Je me demande si ces histoires sont vraies. Lesquelles? Quelles histoires? Si vous croyez que je vais vous conter les légendes qui courent sur vous, vous faites fausse route. Bon, et maintenant? Je dois récolter les ingrédients les plus intéressants pendant que la dépouille est encore chaude. Je préférerais emmener la carcasse dans mon laboratoire et la dépecer entièrement, mais ce serait gâcher du pouvoir et trop de travail. Je ne prendrais que... Qu'avez-vous entendu sur mon compte? Toutes sortes de choses. Vous ne voulez pas en parler? Je n'ai pas le temps. Plus les ingrédients sont frais, plus ils vaudront cher. Pardonnez-moi. Adieu alors. N'oubliez pas de prendre la récompense. Oh, ça, non. Oui. Alors, tout de suite. Sauvegarde. Voilà. Ensuite, niveau supérieur. Hop. Alors, oh bon, j'ai même dit trois niveaux d'un coup, dis donc. Est-ce qu'on peut enfin prendre des trucs comme ça? Ah, quand même. Alors, on a contre-attaque... Réduction des dégâts subis dans le dos, dégâts infligés par derrière, non. En esquivant. Ça, ça m'intéresse. Et ça, c'était de contrer les coups d'un adversaire. Bah oui, évidemment que je vais le prendre. Et ça, c'est quantité de vigueur requise pour bloquer les coups. Vitesse de regain de vigueur en combat plus 10. Ah, ça peut être intéressant. J'ai regardé un peu les autres arbres quand même. Comment est-ce qu'on fait pour reculer? Non, quitter. Ah. On a quoi d'autre? Alchimie et magie. Qu'est-ce qu'on a en alchimie? Dégâts infligés par les bombes, je m'en contrebalance. Vitalité plus 20. Comme ça? Ah, c'est pas mal. Et dans magie, bah ça va être de la vigueur, je suppose. Signe d'Axie amélioré. Déverrouille niveau 2 du signe d'Axie. L'allié temporaire gagne. Hard. Portée du signe plus 2. Ouais, bon. Je vais plutôt prendre de la vie, vu la vitesse à laquelle je crève. Ouh, et vitalité plus 100 après. ok. Ça, c'est fait. Alors, est-ce que je peux faire des potions tant que je suis là?
Tac tac. Hirondelle, j'en avais en cours, c'est un chat-huant qu'il me faudrait. J'ai du mal à avoir des ingrédients rouges. Je peux faire des hirondelles aussi. On va en faire une pour remplacer celle que j'avais utilisée. Des chats, j'en ai. C'est quoi ça encore? Dégâts à l'épée, ouais, non. Ok. Et puis on va méditer. Non. On méditera en ville, des fois qu'il y aura encore des ennemis en route. Ah oui, 1750 XP quand même, quoi. Alors, allez récupérer votre récompense pour avoir tué Kéran. Nous ferions mieux d'y aller. Il y a des trucs à récupérer dans le coin. Ouais, ça c'était le... Ah, mais je peux plus remonter par où je suis arrivé. Ah, si. Je sais pas pourquoi le jeu rame comme ça. Il doit être mal optimisé parce que c'est pas ma config, hein. Il y a des endroits comme ça rame, je sais pas pourquoi. Enfin, ça rame, c'est j'ai des chutes de FPS d'un coup, je sais pas pourquoi. Il reste vraiment plus rien du pont. Tu te fous de moi. Alors, c'était un marchand, je crois, qui doit me donner la récompense. Pourquoi est-ce qu'il y a un feu allumé ici? En plus, il pleut. Enfin, il pleut plus haut. Enfin, non, il pleut. Oh là, oh là, du calme. C'est pas par là. Voilà, maintenant on va pouvoir se reposer. Je sais pas quelle heure il est. Allez, jusqu'à 8 heures. Normalement, ça devrait avoir évacué mon poison. Voilà. Oula, c'est quoi cette lumière? Pourquoi c'est tout bleu? C'est moche. Ah. Bon, il fait plus bleu, il pleut. Pour changer. Alors, c'était toi? Mission accomplie. J'ai tué le Kéran. Bon travail. Tu as mérité ta récompense. J'ai pas récupéré un truc. J'ai récupéré un schéma de armure en carapace de Kéran. Mais j'ai pas de.
C'est où? Non, c'est pas ça. Artisanat. J'ai récupéré un truc de Kera. Andriag, Necker. Ah oui, donc j'aurais dû récupérer un truc dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est une petite armure de rien du tout. On en aura d'autres plus tard. Bon, qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant que la truc est fini? Ah, peut-être aller voir Triss. J'allais dire Chris. Eh ben, t'es propre, mon vieux. Bien, bien. Ah ben, justement. Le commandant sait recevoir? Ces hommes peuvent nous aider. Ou nous jeter à l'eau enchaînée. Il m'a dit qu'il détenait des scoyatelles sur une barge dans le port. T'a-t-il dit si Kiran, le bras droit d'Yorvet, faisait partie des prisonniers? Non. Il en sait peut-être long sur le tueur de roi. Allons lui rendre visite. À la barge pénitentiaire. Ah, c'est de l'autre côté. J'aurais dû mettre à toi. Je parle d'un déluge. Suivez Triss, bah oui, je l'ai suivi. Et maintenant, bonjour. Vous voulez quoi? Parler avec le prisonnier blessé. Personne n'entre. C'est Loredo qui m'envoie. Je sais que vous avez un accord, mais... Alors poussez-vous. Vous aurez du mal, il est mourant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Arrêtez donc de gémir là-dessous! Du calme! Regardez, tuberculeux d'or. Debout, tuberculeux! Un jour, tu te réveilleras pas. Encore un elfe. Bonjour. Il a été torturé. Il a une dizaine de fractures. Aide-moi, veux-tu? Que dois-je faire? Le sort que je vais utiliser est douloureux. S'il remue, il risque la mort. Oh, ça va être ça. Ça sent la QTE. Regardez, elle est toute mouillée. Coupé, c'est moi qui fais cet effet. Tiens-toi prêt, Coupé. On arrive après notre garde. Qu'est-ce que je disais que ça sentait la QTE, cette histoire? C'est inutile. Tu aimerais, bâtard. Je ne suis pas un traître. Il délire. Va de Gern. Où suis-je? Sur la barge pénitentiaire de Flotsam. La barge pénitentiaire? Je suis foutu. Est-ce qu'on combat Loredo? Dire ça sur la barge pénitentiaire, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... Nous combattons Loredo, nous aussi. Intérêt commun. J'ai fait l'erreur de croire un douane une fois, plus jamais. Il y a un sorceleur avec Yorvet. Comme tout douane, il s'est révélé être une vraie charogne. C'est-à-dire? Il nous a trahis. Il avait une offre à me faire. On s'est vu là où poussent les roses de souvenance. J'aurais dû m'en douter. Les roses de souvenance? Oui. Les dernières de ce monde. Il pensait que j'allais trahir les miens pour diriger l'unité. J'ai refusé, et un combat s'est engagé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Aucun humain n'est aussi rapide. Un massacre. J'ai été touché en premier, mais j'ai survécu. Je me serais vidé de mon sang si les hommes de Loredo n'avaient pas été là. Leto va tuer Yorvet, et tout sera perdu. Tous ces morts, tant de souffrances, tout ça pour rien. Bien fait pour vous. Leto est le tueur de roi? Oui. Pourquoi est-ce qu'il veut tuer Yorvet? Pourquoi voudrait-il tuer Yorvet? Il nous a utilisés depuis le début, tirant profit de notre haine. Mais il n'a plus besoin de Yorvet qui le gêne. J'ignore ce que cherche Leto. Et Yorvet, il fait quoi? Que veut Yorvet? Pourquoi Flotsam? Va te faire foutre.
si je m'énerve, c'est peut-être pas une bonne idée. On va essayer le signe. Parle-moi, je suis de ton côté. Si vous le dites. Flotsam n'est que le début. Nous combattons pour la liberté et rien d'autre. Yorveth se fera entendre en temps et en heure. Et nous sortirons des bois pour nous battre. Vous battre? Je n'en sais pas plus. Dans ce cas, je demanderai à Yorveth. J'aimerais bien voir ça. Ok. On a ce qu'on voulait. Et maintenant? Yorveth. Et si Yorveth est déjà au courant? J'ai un dicton tout prêt pour lui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Préviens-le, Gwynblade. Yorveth se bat parce que c'est ce qu'il fait de mieux. C'est un vrai Anseid. Il est libre. Parmi les derniers. Se battre a un sens maintenant plus que jamais. Il y a encore de l'espoir. De quoi parles-tu, Kiran? De l'espoir pourquoi? Pour un changement. Pour de meilleurs lendemains. Je ne serai plus là. Ils vont me torturer à mort sur la barge. Et je rejoindrai les pommiers en fleurs. Mais tu dois prévenir Yorveth. Oh là, oh là. Gros plan sur l'œil. Yennefer m'a dit que Ciri était partie pour de bon. Qu'elle vivait heureuse dans un autre monde. Avant de quitter celui-ci, elle nous légua l'île d'Avalak. Notre île. Le temps n'eut plus d'importance. Les spectres de la chasse sauvage sont réputés immortels. Ils parcourent les cieux, brandissant des épées semblables à des éclairs. Ils emmènent les mortels, étendant toujours plus leur cavalcade spectrale. Ils brûlèrent le verger et la maison. Ils piétinèrent notre île de leurs bottes. Et ils enlevèrent Yennefer. Je devais la récupérer. Revenir à la réalité. Retrouver le sentier des sorceleurs. Il est moche. Qu'est-ce que c'était encore que ça? Geralt, tout va bien? J'étais sur l'île d'Avalak, parmi les pommiers et la brume. Après le massacre de Rivia, Ciri m'y a emmené avec Yennefer. Les cavaliers spectraux l'ont prise. Je les ai poursuivis. Mais... Rhys, c'est important. J'ai l'impression que tout me revient. Quand les sorceleurs m'ont trouvé à l'article de la mort il y a moins d'un an, près de Kaer Morhen, je fuyais à la chasse. Ils m'ont poursuivi dans les faubourgs, puis à Vizimar quand j'ai tué le grand maître. Ce n'était pas une coïncidence, c'est sûr. Kiran a parlé de roses de souvenance poussant non loin d'ici. Cédric a fait de même. Ah, si c'est vrai... Une petite seconde. En ce moment, je devrais chercher Yorveth dans la forêt. Ah, tu en es sûr? Tout semble l'indiquer. Peu importe ce qui bloque tes souvenirs, ça s'affaiblit. Je pense pouvoir briser cette barrière avec un seul pétale de rose de souvenance. Ces fleurs sont extrêmement puissantes. Alors Yorveth peut attendre. Tu veux que je t'accompagne? Voilà, désolé, quelqu'un qui cherchait la source d'une inondation. Mais ça ne vient pas de chez moi, donc... Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il racontait. Il parlait de leur mémoire, donc... Je suppose qu'elle lui a proposé un coup de main, vu les solutions, donc je dois faire ça tout seul. Allez, on va dire qu'on va avoir un coup de main. J'apprécierais ta compagnie. Très bien. Alors je viens. Cédric a parlé d'anciennes constructions elfiques dans la forêt, près de la cascade. Commençons par là. Je te suis. Arrêtez donc de gémir là-dessous. Du calme. Regardez, tuberculeux d'or. Debout, tuberculeux. Un jour, tu te réveilleras pas. Alors, trouver une rose de souvenante aux côtés de Triss. Bah, vu que de toute façon, on ne voit plus Shani, je vois pas pourquoi je prendrais pas Triss. Hein. Hop. C'est bon de te voir. J'adore, c'est que dans le premier, elle me déteste, maintenant elle est contente de c'est me bon voir. De te voir. C'est bizarre. Elle a absorbé Shani, c'est pas possible autrement. Tout